ça va mal, je vais voir l'assistante sociale. Ah, Seigneur Marie-Joseph, mais qu'est-ce que c'est que cette chose-là? C'est mon super ami Toto Gros. Dis bonjour à la madame Toto Gros. Ma petite chérie, arrête-moi si je me trompe, mais c'est une bête sauvage là, ton Toto Gros. Mais non, c'est l'esprit gentil de la forêt, hein, Toto Gros? Et ton papa et ta maman, ils sont où? Oh, papa et maman, ils ont été très vilains. Alors Toto Gros, il les a envoyés faire dodo. Oh, bordel. Qu'est-ce que tu fais avec le téléphone? Non, sérieux. Rien du tout, non, c'est rien. Bien en communication avec la police. Veuillez patienter. Oh non, Toto Gros, il aime pas la police. Ça va aller. Allez, chante avec moi. Toto Gros, Toto Gros, Toto Gros, Toto Gros. Alors, bonjour, pouvez-vous décrire la nature de l'incident, s'il vous plaît? Vous avez eu le bon réflexe, madame. Ce matin, on a dû se farcir un chat géant maquillé en bus RATP. Il a bouffé 17 gosses, le fumier. Bonjour, messieurs, dames. Eh oh! Bon alors, qu'est-ce qui vous amène? C'est Zubi triste. Oh! Ah, le bad! Je suis en pleine redescente, ça va pas du tout, là. Ah oui, d'accord, je vois, là. Oui. Ben, c'est Dunky, il avait trouvé un plan LSD pas cher. Attends. Du coup, on a dû forcer un peu trop la dose. Ça va bientôt faire 10 ans qu'on est chez père, mon pote. Ah oui, 10 ans quand même, hein. Un gros trip de dingue. On a vu des trucs de ouf, genre un soleil avec une tête de bébé, de la moquette verte sur les murs. Je crois bien que j'ai câblé sur l'aspirateur pendant un bon moment. Hein, casse-toi, putain. Mais fermez-la. Vous me faites vriller avec vos faces cheloues de gogol. Ferme-la, tête de con.